Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de Pâques, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur YouTube ou sur d'autres médias, vous qui suivez cette messe célébrée en confinement dans la cathédrale de Liège. À cause de l'épidémie, nous sommes séparés physiquement, mais unis spirituellement. Et je me trouve entouré du chapitre de la cathédrale et de ses chanoines, auquel s'est joint l'abbé Émile Piron, président du séminaire, qui tiendra l'homélie tout à l'heure. Car le quatrième dimanche de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. Jésus se présente à nous comme un pasteur qui appelle chacune de ses brebis par son nom. Chacun de nous est ainsi appelé personnellement par Jésus. Et c'est pourquoi ce dimanche est aussi le dimanche des vocations. Le Seigneur appelle d'une manière particulière des hommes et des femmes à s'engager à sa suite dans un ministère au service de l'Église, en particulier comme prêtre ou comme diacre, ou dans une consécration de soi dans la vie religieuse, ou tout simplement comme laïc engagé au service de ses frères et de toute sa famille. Prions spécialement aujourd'hui pour que chacun d'entre nous entende l'appel qui lui est destiné. Que cet appel retentisse dans les situations difficiles pour nous guider sur nos chemins. À l'écoute de l'appel du Seigneur, vivons dès lors cette célébration dans la confiance et la reconnaissance. Et avant toute chose, demandons-lui de nous accorder son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Yeah.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture nous introduit à la lecture des Actes des Apôtres dans l'épisode après la Pentecôte, quand les apôtres annoncent la résurrection du Seigneur Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs en furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit : Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Thank you.
L'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont accablés et dans la difficulté. Et il les invite, comme il nous invite, à tourner nos regards vers le Christ pour être remis debout. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, si vous supportez la souffrance pour faire le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans sa mort sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole.
Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes unis par les médias, nous sommes unis, un tout petit troupeau ici, quelques personnes autour de notre évêque, de notre pasteur. Et en ce dimanche du pont pasteur, on m'a demandé de proposer quelques réflexions, une méditation, une homélie. Je vous fais une confession, publique même. J'étais un peu mal à l'aise avec ces demandes. Mal à l'aise de proposer une homélie devant une cathédrale vide, même si nous sommes en lien par les ondes et par les médias, mal à l'aise face à ces thématiques que nous pouvons traiter ou triturer de tous les sens. Le bon pasteur, les pasteurs, que dire? Je dois avouer que l'image du troupeau, des brebis, je ne l'aime pas. Peut-être que je suis déformé par mon enfance, de fils de fermier. Le premier souvenir que j'ai comme enfant à l'âge de 4 ans, c'est qu'avec maman, on a su déplacer un troupeau de vaches d'une prairie à une autre. Et moi, tout petit, à 4 ans, je demandais à maman, comment est-ce qu'on parviendra? Ah, il faut t'imposer. Il faut que les vaches sachent, c'est toi le chef ici. Et ça, à 4 ans. Alors, je suis très prudent pour l'image du troupeau, parce que ça me pose question. Et puis, les brebis, si nous serions les brebis, avouons, qui d'entre nous a envie d'être une brebis ou un mouton? Ça n'a pas l'air tellement intelligent. C'est une première raison pour laquelle je suis hésitant par rapport à cette image, même si elle se trouve dans l'Évangile, peut-être que j'y projette trop mes propres expériences. Mais je n'y peux rien, c'est comme ça que l'on lit aussi parfois l'Évangile, avec nos projections, avec notre vécu. La deuxième hésitation autour de l'image du pasteur et de la mission du pasteur, c'est avec les expériences des dernières années. En Église, nous avons connu des situations scandaleuses, des abus spirituels même. Et là aussi, cette image, alors, elle demande à être creusée. Qu'est-ce que ça veut dire être pasteur aujourd'hui? Conduire d'autres sur un chemin de liberté? Comment faire cela? Et enfin, en ces jours, en ces semaines de pandémie, de confinement, comment trouver le bon chemin, le juste chemin, le chemin le moins mauvais pour le bien de tous, de toute l'humanité, les plus petits surtout, dans notre société, dans ce monde économique, dans le monde de la santé? Quelle voix écouter, quelle voix entendre? Elles sont légion, les voix. On dit de tout et de son contraire. Malaise peut-être, mais pourtant une invitation et une question qui est là et qui résonne dans la première lecture des Actes des Apôtres. Que devons-nous faire? Frères et sœurs, que devons-nous faire en ces jours, dans notre société, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de rencontre, dans nos églises? Que faire? Ça vaut la peine de s'arrêter à cette première lecture. Quand est-ce que les auditeurs
pose cette question. C'est après avoir vécu toute une expérience avec Jésus, ce débâcle de la mort honteuse du Christ, que Pierre finalement fait une expérience, que les disciples font l'expérience d'une rencontre avec le ressuscité. C'est après cela, alors qu'ils sont saisis par l'Esprit créateur, l'Esprit de vie, qu'il prend la parole et qu'il annonce le cœur de la foi, ce Jésus mort et crucifié, il est vivant. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Messie, Pasteur, le guide de toute humanité en recherche de vie. C'est donc après tout un cheminement que Pierre prend la parole, qu'il annonce la foi, et c'est alors que les auditeurs, des croyants, des craignants Dieu, des hommes et des femmes, peut-être de toute culture, sont touchés au cœur. Ils furent touchés au cœur. Et la première chose que je voudrais souligner, c'est celle-là. Laissons-nous toucher au cœur en écoutant les expériences des hommes et des femmes de notre temps, des croyants, peut-être des non-croyants. Chacune et chacun d'entre nous, en ces semaines, fait des expériences uniques. Nous vivons une expérience que personne d'entre nous n'a jamais vécue. Et donc, ça vaut la peine de se mettre à l'écoute des uns et des autres et de se laisser toucher. Et peut-être, je le crois et je l'espère aussi, nous laisser toucher par ce message du cœur de l'Évangile. Dieu est venu à notre rencontre. Jusque dans l'abîme de la souffrance, de la mort, il ne s'est pas détourné. Il n'a pas abandonné son peuple ou son troupeau. Il a cheminé avec nous jusque dans l'abîme de la mort. Et c'est l'amour qui aura le dernier mot, qui a le dernier mot. Celui qui aime a déjà franchi la mort. C'est là l'œuvre du Seigneur. Les auditeurs furent touchés au cœur, au plus intime de leur personnalité, de leur histoire. Et Pierre alors répond à la question, que faire? Comment faire? Eh bien, cette question, elle résonne en nous, en vous, en moi en tout cas. Que faire comme chrétien, comme prêtre, comme membre d'une société ici aujourd'hui, que faire? Pierre ne donne pas une recette toute faite, mais il invite tout d'abord à la conversion. Laissez-vous retourner. Si tu es touché, laisse-toi retourner, convertir, pour que ta vie trouve un sens. Tu as peut-être l'impression que de t'en aller sur des chemins qui mènent vers nulle part. Non, ta vie a un sens. Accepte et décide de prendre un autre chemin, de te laisser renouveler, que chacun de vous soit baptisé, donc plongé au plus intime de la relation de Dieu, de la relation en Dieu, de la relation de Dieu avec l'humanité, la relation de l'amour. Nous sommes invités à nous laisser convertir et à plonger dans une relation de confiance et d'amour au nom de Jésus, et de faire l'expérience de la miséricorde, du pardon. J'y reviendrai tout à l'heure dans quelques instants. C'est étonnant, au plus intime et plus profond de certaines situations de détresse, certaines personnes ont fait expérience de la miséricorde, d'un amour débordant. Laissons-nous toucher et mouvoir par l'Esprit, par le don de l'Esprit, car la promesse de Dieu, elle est pour nous, elle est pour tous et pour chacun. Oui, il s'agit de prendre des décisions, de choisir, en vue du bien de tous. Il y a quelques jours, en Allemagne, il y a un ancien ministre du Travail et de l'Emploi qui est décédé, un homme engagé à fond. Et il y a quelques semaines, en plein milieu déjà de la crise du coronavirus, un journaliste lui demande « Quelle est votre impression à vous ?» Il répond « J'ai l'impression que nous sommes maintenant devant la tour de Babel qui s'est écroulée. Et nous sommes invités maintenant à vivre autre chose que cette tour de Babel, de l'orgueil de l'homme qui veut ceci ou cela. » Et donc, ce témoignage et cette lettre de ce
politicien qui est mort quelques jours après, reste dans ma mémoire. Nous sommes invités, oui, à nous laisser retourner, convertir, à vivre un lien de fraternité, de solidarité nouveau. Enfin, comment alors être pasteur ou berger, ou plutôt, comment vivre à la manière de Jésus? Car dans l'Évangile, nous ne sommes pas encore directement dans l'image ou la métaphore du berger, mais c'est surtout Jésus qui s'identifie à la porte de la bergerie. Il est celui par qui nous pouvons passer pour trouver la sécurité, une intimité avec lui, mais aussi c'est lui qui nous permet d'aller de l'avant, dans la confiance, pour que nous ayons la vie et une vie en abondance. Alors permettez-moi, pour conclure simplement, de vous citer quelqu'un dont je ne connais pas le nom. Un message parmi les milliers ou les millions de messages sur Facebook. Le message de quelqu'un en qui je vois une trace de ce Jésus qui est berger, soignant, qui prend soin des autres. Voici ce que j'ai lu il y a 2 jours sur Facebook, le témoignage d'une soignante de la région liégeoise ici. Voilà ce qu'elle écrit. Bonjour, je parle rarement de mon boulot sur Facebook, mais une fois n'est pas coutume. Je travaille dans une maison de repos et de soins. Depuis le début du confinement, la direction a pris des mesures qui, si elles m'ont semblé bien austères au début, ont vite montré leurs preuves. Mes collègues prennent toutes les précautions d'usage pendant et après le travail. Ils se donnent à fond, tous secteurs confondus. C'est vrai que c'est dur pour nos résidents, cette coupure avec leur famille. Mais depuis, nous avons mis en place un système de vidéoconférence, nous avons ouvert une page Facebook avec des petits films et des photos. Croyez-le ou non, mais ces retrouvailles par smartphone interposées sont très émouvantes. Et cette soignante de continuer, « Je crois n'avoir jamais entendu autant d'expressions d'amour. Malgré notre présence pendant ces échanges, les gens laissent tomber toute forme de pudeur et osent se dire combien ils s'aiment et combien ils se manquent, combien ils se réjouissent de se revoir et de s'embrasser à nouveau. On voit les yeux de nos résidents qui brillent de tendresse. Les familles prennent du temps. Il n'y a plus les petits-enfants à aller chercher à l'école, plus de courses à faire vite, vite, plus de stress, il y a du temps. Beaucoup de temps. Certains jouent de la musique pour leurs parents, chantent, les font rire, font le tour du jardin, montrent leurs animaux. C'est la vie, quoi. Alors oui, c'est très dur parce que ce n'est pas comme ça qu'on envisage les choses, mais c'est mieux que rien et ça leur fait un bien fou. Et cette soignante de continuer de conclure. Alors, s'il vous plaît, attendez encore un peu avant de les voir et de risquer de les contaminer. Ils sont peut-être vieux, mais ils ne sont pas idiots. Ils en ont vu d'autres, ils survivront. Ils vous attendront. Ils sont coriaces, vos parents, et pleins de ressources. Faites-nous confiance, mais surtout faites leur confiance. Protégez-les, attendez encore un peu. Les retrouvailles n'en seront que plus belles. En attendant, prenez soin de vous. Chers frères et sœurs, pour moi, un témoignage d'une bergère, d'un berger, d'une soignante d'aujourd'hui. En ce dimanche de prière pour les vocations, prions pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, ont la vocation d'être soignants, soignantes. Tous ceux et celles qui ont la vocation de guider l'humanité, la vie, en société, le vivre ensemble. Prions pour tous ceux et celles qui sont appelés à un service dans nos communautés, dans l'Église. Prions pour nous-mêmes, que notre intimité, notre relation avec le Christ se traduisent alors en actes et en vérité. Le Seigneur, il dit, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. » Amen.
Chers frères et sœurs, inspirés par cette méditation de l'abbé Piron, inspirés par cet évangile du bon pasteur, professons maintenant notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons maintenant nos intentions de prière au Seigneur en élargissant notre prière à une prière universelle. À toi qui es notre berger, nous te confions ton Église et tous ceux et celles qui y exercent des responsabilités. Qu'à l'appel de ton Esprit, ils puissent vivre leur mission comme toi, dans le respect et la connaissance de tous et de chacun. Prions le Seigneur. Te confions tous ceux qui sont appelés à diriger le monde. Que ton esprit les aide à exercer leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous et de chacun. Prions le Seigneur. Nous te confions tous ceux et celles qui prennent soin des autres. Nous te confions ceux qui vivent difficilement ce temps de crise et de maladie. Que ton esprit les fortifie et nous donne de la créativité dans la solidarité. Prions le Seigneur. À toi, notre berger, qui continue à dire « Venez à ma suite », nous te confions tous ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation, à la communion, à la profession de foi, à une vie chrétienne et à un service particulier dans l'Église et le monde. Nous te prions. Nous te confions nos défunts. Qu'ils entrent dans ton royaume de paix et de lumière. Toi, le bon berger, envoie ton esprit de consolation à ceux qui vivent en deuil. Prions le Seigneur. Sauve tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il soit pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. «
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Père, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul, les martyrs, Saint Lambert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons, le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un geste ou un sourire, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. En terminant cette célébration, je vous invite à vous associer à la prière pour les vocations qui a été rédigée par le Centre national des vocations de Belgique. Portons dans nos cœurs ceux qui se préparent en particulier à devenir prêtres, religieux ou religieuses. Portons dans notre cœur ceux qui se préparent à devenir diacres permanents, les futurs professeurs de religion également, les animateurs laïcs, les assistants paroissiaux. Portons dans notre cœur tous ceux qui se préparent à une mission au service de l'Église et associons-nous à cette prière adressée au Père, au Fils et à l'Esprit. Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. Tu as confié à l'homme et à la femme la mission de parachever ta création. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de ton espérance. Fais-nous répondre à ton appel et suscite des collaborateurs de ton œuvre. Jésus-Christ, toi notre Seigneur, tu es venu sur notre terre en partageant nos joies et nos peines. Tu as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité des disciples à t'accompagner sur le chemin. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de ta prière, appel à ta suite de nouveaux apôtres. Esprit Saint, foyer d'amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de ta joie, entraîne de nombreuses personnes au souffle de ton énergie. Et que des hommes et des femmes aient l'audace de s'engager, joyeux témoins de ta bonne nouvelle pour notre monde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. En remerciant tous ceux qui ont préparé cette célébration et qui collaborent à leur diffusion, nous nous préparons à recevoir la bénédiction du Seigneur, en particulier vous qui nous suivez de loin, que je remercie aussi d'avoir suivi sur vos écrans en ce dimanche du 4e dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.